content d'accueillir pour cette nouvelle émission d'une heure de vérité le docteur Gérard de Lépine. Le docteur Gérard de Lépine est un chirurgien, un oncologue. Avec son épouse, le docteur Nicole de Lépine, ils ont déjà publié de nombreux ouvrages sur la médecine, sur les vaccins, sur des scandales médicaux. Ils sont aussi les auteurs ensemble ou séparément de centaines d'articles. Ils sont régulièrement les invités de médias pour parler depuis plusieurs mois de la situation du Covid-19, du coronavirus. Le docteur Gérard de Lépine dénonce fréquemment les mensonges que l'on entend dans les médias du système sur le Covid-19, et nous allons essayer d'y voir plus clair avec lui sur la situation en ce moment. Alors, docteur, on nous parle beaucoup d'une deuxième vague, et pourtant cette deuxième vague, on ne la voit toujours pas apparaître. Cette deuxième vague, elle semble surtout servir pour les médias de façon à créer un climat d'angoisse, un climat de stress permanent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? L'histoire, la deuxième vague n'existe pas dans les infections virales habituelles. Lorsqu'on regarde l'histoire, nous n'avons pas de deuxième vague virale. On a des infections virales qui récidivent chaque année, la grippe saisonnière en est l'exemple typique. Mais ce n'y a pas dans les grippes une deuxième vague de grippe, c'est faux. La fameuse grippe espagnole, qui est toujours citée comme l'horrible tsunami qui va nous tuer, la deuxième vague de la grippe espagnole n'était pas une grippe, il faut le dire. Il y a une première vague de virose, qui est une grippe, effectivement, et une deuxième vague, à peu près un an plus tard, d'infections bactériennes. Ce qui a tué autant de gens, ce sont les infections bactériennes sur des populations qui étaient très affamées, dénutries et qui avaient été fragilisées par la vague de virose. Une telle situation ne peut plus se produire depuis qu'on a des antibiotiques efficaces. Et d'ailleurs, elle ne s'est plus produite depuis cette époque, depuis 1918, donc depuis plus de 100 ans. Donc, la deuxième vague telle qu'il parle, c'est une invention de Neil Ferguson. Neil Ferguson n'est pas du tout un médecin. C'est un mathématicien de l'Imperial College, c'est un très bon mathématicien. Mais que vient-il faire dans cette galère de parler de médecine? Parce que lui, il étudie des modèles. Alors les modèles, c'est très bien. Les modèles ont permis de faire d'énormes progrès dans les ailes d'avion, en physique en général, en chimie. On modélise des réactions chimiques et on y arrive très bien. On modélise même des explosions nucléaires. Grâce à ça, on a pu des essais nucléaires, ce qui est quand même assez sympathique. Mais tout ça, c'est pour des lois physiques connues, des lois immuables. Bon, de temps en temps, il y a Einstein qui vient et on change un petit peu la virgule. Mais en gros, pour des lois connues physiques qui se reproduisent. Or, en médecine, en biologie, dans les sciences du vivant, c'est complètement différent. Le vivant, il évolue. Croire que le vivant obéit à des lois immuables est une connerie. Alors, comment expliquer que ce que vous nous expliquez ne soit pas plus défendu par quantité de médecins? On a l'impression qu'en fait, aujourd'hui, il y a le professeur Didier Raoult qui, comme vous, rappelle ce qui devrait être des évidences médicales. Et puis, on a l'impression que face à ces quelques médecins honnêtes, ces quelques professeurs honnêtes, il y a véritablement une armée de journalistes, de politiciens, mais aussi de prétendus experts qui tentent de nous affoler matin, midi et soir. Quelles sont les raisons de cette volonté de nous affoler, selon vous? À chaque fois qu'on a un effet, il faut chercher la cause. Et la cause, elle est simple, c'est l'argent. Il faut bien comprendre que Gilead, qui est en grande partie, et Sanofi, hein, parce que Sanofi se cache, mais il est derrière. Lui, Sanofi veut vendre des vaccins, Gilead veut vendre son Remdesivir, et puis AbbVie veut vendre aussi son produit. Donc, il y a trois énormes mastodontes. Il faut savoir que Gilead, qui est sorti de rien, qui n'a pas inventé grand-chose, car la plupart de ses produits vedettes sont des produits qu'il a achetés. Il a acheté des startups. Et la plupart du temps, c'est toujours pareil.
C'est le public qui paye la recherche à l'université. Le chercheur trouve quelque chose, il brevette, il fait sa start-up, il est encouragé maintenant par l'université de faire des start-up, et après il la vend en empochant quelques millions. Et puis celui qui l'achète, lui, il empoche quelques milliards. C'est comme ça que marche actuellement l'industrie du médicament. L'industrie du médicament, depuis 20 ans, depuis qu'elle est mondialisée, elle n'est plus dirigée par des médecins, elle n'est plus dirigée par des scientifiques, des chimistes ou des chercheurs. Elle est uniquement dirigée par des financiers. Et le financier, c'est du court terme. Donc, on n'investit plus en recherche, c'est trop cher, c'est trop fatigant. On dépiste les startups qui démarrent et qui paraissent prometteuses et on les achète. Et en gros, on a ce qu'on appelle les majeurs qui trustent à peu près 80% des ventes des médicaments dans les pays qui peuvent payer les médicaments. Et de ce fait, ils arrivent à avoir des flux financiers colossaux. Le revenu global de ce qu'on appelle la Big Pharma, en Big 7, est équivalent à la moitié du budget annuel de la France. Ils font autant que la moitié de la France. C'est colossal. Pour donner un exemple, et les bénéfices sont absolument colossaux. Gilead, par exemple, vous avez un produit très célèbre qui lutte contre le virus de l'hépatite C. Ce médicament a été accepté par le gouvernement français, puisque les prix sont fixés par les gouvernements, à 40 000 euros le traitement. Ce même traitement est vendu 1 000 dollars en Égypte et 800 dollars en Inde. Où passe cet argent ? Comment se fait-il qu'on accepte de payer 40 000 euros j'oubliais, une étude américaine précise que le prix de revient de ce médicament est d'environ 100 dollars, le prix de fabrication. Donc vous un beau bénéfice. Vous vous rendez compte du fossé absolument colossal. Quand on réussit à faire 39 000 dollars de bénéfices sur un médicament, on a de quoi acheter beaucoup de gens. Et bien sûr. On va du tout acheter. Beaucoup de médecins qui sont par exemple contre la chloroquine sont sincères. C'est ce que disait très bien le professeur Even et M. Debré, le député, c'est qu'il y a la corruption et puis il y a la crédibilité. Je pense que la crédibilité joue plus que la corruption dans cette affaire. Les corrompus, ce sont nos experts. Alors vous avez une très belle brochette, hein, vous regardez par exemple le comité scientifique. Il n'y a pas parmi les médecins, parce que les laboratoires sont des gens extrêmement sérieux, ce ne sont pas des minables du tout, ce sont des gens intelligents et ils font attention à leurs investissements. Donc ils investissent sur les gens qui sont rentables, donc sur les experts. Il est complètement important. Donc docteur, ça correspond à ce que vient de dire le professeur Luc Montagnier qui disait « même des scientifiques sont achetés ». En l'occurrence, ces experts, on peut dire qu'ils roulent pour les laboratoires pharmaceutiques. Ce sont précisément des représentants de commerce des laboratoires pharmaceutiques. Jadis, quand je faisais mes études de médecine, un professeur qui travaillait dans le privé, un professeur d'université, qui travaillait dans le privé, il dérogeait. C'était la honte. Il était honni par tout le monde. Depuis le mélange du public et du privé, depuis les new conservateurs, et la théorie depuis les années 90, en gros, on dit que le public ne sert à rien, qu'il faut que seul le privé peut le sauver. Et la recette est simple. Le public investit et le privé ramasse les bénéfices. Et c'est ce qui se passe. Donc, les professeurs qui sont experts intéressent énormément les laboratoires. Les laboratoires sont gentils, hein, ils s'intéressent à tous les médecins. C'est-à-dire, quand j'étais interne, ils m'ont offert des stylos, des congrès, beaucoup de choses. Quand je suis monté comme chef de clinique, on m'offrait des livres, des congrès luxueux. Si j'avais marché dans la combine, j'aurais pu voir beaucoup plus. Et cela, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dénoncé par tous les journalistes qui ont étudié le problème. Et j'invite certains à regarder les vidéos où je dénonce la corruption en médecine. Ce n'est pas une histoire nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est que le niveau de corruption est inimaginable. Il est tellement important qu'on peut acheter tout le monde. J'ai travaillé une époque en Italie et j'ai connu un peu quelques dons de la mafia. Le plomb ou l'or. À un certain niveau, on vous demande de choisir. Voulez-vous de l'or? Sinon, vous risquez d'avoir du plomb. On évite d'utiliser le plomb parce que ça laisse des traces. Quand il y a un mort, ce n'est pas très bien. Et j'ai appris ça de cette époque, de cette expérience enrichissante au point de vue humain. J'ai appris une chose.
Quand on sait quelque chose, il ne faut jamais menacer quelqu'un de puissant. Il faut tout de suite publier ce qu'on sait. Ça ne vaut plus le coup de vous tuer après, parce que sinon, ça renforcerait la découverte que vous avez faite et l'annonce que vous avez faite. C'est la raison pour laquelle on publie tout ce qu'on sait, tout de suite. D'accord, d'accord. Je n'ai pas peur de la mort, je suis vieux, donc je suis proche de toute manière. Pour les médecins, j'ai été profondément choqué. Vous avez raison dans ce que vous me dites. J'ai été profondément choqué par le faible nombre de médecins qui aient protesté. Qu'on ait eu en France l'interdiction de la chloroquine, l'interdiction comme prescription, c'est une première mondiale. Personne au monde n'avait jamais fait ça. Les médecins, le fait d'un médecin, on fait 15 ans d'études, enfin j'étais chirurgien, donc j'ai fait 15 ans d'études, c'était pour avoir le droit de prescrire en mon âme et conscience ce que je crois être le meilleur pour le malade qui vient me voir. Et dans le colloque singulier avec lui, je lui explique les avantages et les inconvénients. Qu'un politique qui n'a pas fait de médecine s'arroge le droit de dire « n'a pas le droit », c'est invraisemblable. C'est vraiment une entorse majeure à toutes les règles sociétales de la médecine. Qu'il y ait si peu de médecins qui aient dénoncé, moi, me fait mal au cœur. Mais je ne leur jette pas la pierre. Il faut voir dans quelles conditions. Moi, je suis à la retraite. Je ne fais plus partie du Conseil de l'Ordre. J'ai démissionné de l'Ordre. Dès que j'ai pris ma retraite, j'ai démissionné parce que je ne voulais plus donner de l'argent à cet organisme mafieux. Soyons clairs. Hein, parce qu'il a des comportements. Jadis, le Conseil de l'Ordre, les gens étaient des tout à fait bénévoles. Ils ne touchaient rien, les conseillers. Ils n'avaient aucun avantage en nature. Actuellement, il suffit de regarder le rapport de la Cour des comptes et vous rendez compte que la situation a énormément changé. Et ces gens qui vivent bien grâce à l'ordre, bah, ils savent qu'ils sont fragiles. Leurs amis, leur famille, Et de ce fait, le gouvernement possède un pouvoir considérable sur eux, parce qu'on peut sortir le dossier s'ils sont pas sages. Donc, ils obéissent comme des petits chiens, alors que le rôle du Conseil de l'ordre a été dire, il est inadmissible en termes déontologiques, puisqu'il doit veiller à la déontologie. Il est admissible qu'un non-médecin se mêle de dire aux médecins ce qu'ils doivent donner. À la limite, que le gouvernement ne soit pas d'accord. Votre ouvrage « Soigner ou obéir », ce titre est particulièrement d'actualité, somme toute. Totalement. Nous retrouvons où le corps médical, finalement, dans sa majorité, choisit d'obéir, même actuellement. Si ce corps médical sait qu'il y a un traitement pertinent, l'hydroxychloroquine, et qui peut donc soigner, mais le corps médical préfère obéir. Vous avez totalement raison. Et cela est dû au fait, d'abord, de la modification de la loi santé. On n'a peut-être pas assez insisté, enfin, mon épouse s'est beaucoup battue, moi aussi, mais je la suivais, sur la loi santé qui a été en discussion au moment des attentats. Malheureusement pour elle, la loi est arrivée en discussion au Parlement au moment des attentats islamistes sur Paris. Et à cause de ça, on a complètement invadé. Les médecins avaient quand même fait une manifestation, enfin c'est les soignants, il n'y avait pas que les médecins, il y avait aussi les infirmières, les kinés, avaient fait une manifestation très importante à Paris. Il y avait eu plus de 70 000 participants à cette manifestation contre le fait qu'on mette la médecine sous la boîte des bureaucrates. Les bureaucrates, ils sont là pour gérer le système de santé, pas les soins. Or, la loi de santé faite par la précédente ministre dit, dans l'article 1, le gouvernement est responsable des soins. Alors, avant, c'était responsable et doit surveiller les soins et surtout l'administration des soins. Il est responsable du système de santé, mais pas des soins. Les soins, c'est du devoir du médecin. Or, depuis, c'est le gouvernement, et le gouvernement a une inquisition à son service. Il a sa police politique qui s'appelle les agences régionales de santé. Les agences régionales de santé peuvent suspendre n'importe quel médecin sans procès, sur une simple décision d'un bureaucrate. Vous n'avez pas le droit de faire telle chose. Ils peuvent interdire un médecin d'opérer pendant 3 mois, par exemple. Donc la santé est aux mains des technocrates. La santé est totalement aux mains des technocrates. Totalement. Et que l'ordre n'ait pas réagi à cette mise sous tutelle de l'acte médical est totalement, j'oserais dire, incompréhensible. Totalement. Bon. Alors, le livre, effectivement, Soigner au bien, nous l'avions écrit avec madame avant les élections présidentielles, en espérant peut-être ça pourrait susciter quelque intérêt parmi les politiques qui se présentent à la nation. Mais quel intérêt y a-t-il pour un politique de dénoncer la mainmise de la finance et des big pharma, alors que ces mêmes financiers sont ceux qui payent ces campagnes politiques?
Le problème est là. Alors, en France, on ne peut pas savoir. Hein, on ne peut pas savoir puisque tout est caché. Mais aux États-Unis, on sait très bien que les grandes entreprises du médicament constituent les premiers financiers des campagnes électorales. C'est une chose affectée puisqu'ils déclarent. Eux, ils n'ont pas honte de l'argent aux États-Unis. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses quant à la propagande qui se fait en ce moment autour d'une vaccination de plus en plus présentée comme la seule solution pour retrouver une vie normale. Ben, c'est le but de l'enfermement qu'on nous a fait subir, de l'astreinte à domicile, puisque c'est ça qu'on a fait subir au peuple français innocent, on l'a astreint à domicile. Hein. C'est théoriquement une mesure quand même judiciaire lourde. Et dans le pays qui se prétend être le champion des libertés, c'est totalement insupportable. D'autant que cette maladie, je le rappelle, est inférieure par sa gravité au niveau mondial à celui de la grippe de Hong Kong ou de la grippe asiatique. Les grandes grippes de l'ère moderne, depuis l'ère de l'aviation, donc ils apportent les virus à toute vitesse, ont fait 1 et 2 millions de morts. Alors le Covid est terrible pour les gens qui l'ont eu. Il a été terrible en France à cause des mesures qui ont été prises, qui ont aggravé considérablement la mortalité. Je dis bien, c'est à cause du confinement qu'on a une telle mortalité. Hein. Il y avait moyen de faire autrement. Et on pouvez développer cet aspect-là? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, depuis toujours, le traitement des épidémies, dont on n'a pas de traitement connu, le traitement, disons, sociétal d'une épidémie est très simple. Il faut séparer les gens infectés des gens qui ne sont pas infectés. Comme ça, on évite que la maladie passe des infectés aux non-infectés. Le confinement qu'on nous a fait à la française est exactement l'inverse. Vous aviez un infecté, vous l'aviez repéré, il toussait, c'est là qu'il est infecté. Hein. C'est au moment où ils ont des signes cliniques qu'ils infectent, contrairement à ce qu'ils essaient de nous faire croire que ce sont les gens qui n'ont pas de signes qu'on infecte les autres. Ce n'est pas vrai. Ça peut arriver, peut-être. Ça n'a pas été démontré. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver, mais la fréquence d'une infection par quelqu'un d'asymptomatique est extrêmement faible. Quelqu'un contamine autour, ce qui se met à tousser, à cracher sur nous, ça c'est évident. Quand on est dans un métro et qu'il y a quelqu'un qui tousse, ça c'est très bon pour infecter tout le monde. Alors, le système français a dit, on enferme tout le monde. Comme on enferme tout le monde, ils ne pourront pas se voir. C'était complètement aberrant. Vous aviez, le père de famille était infecté, on le renvoyait chez lui, on le renvoyait dans son HLM, très très chouette. On était comme ça dans les meilleures conditions pour infecter toute la famille. Et puis éventuellement la cage d'escalier, les voisins, etc. Si on avait voulu, il fallait ouvrir les hôtels, puisque les hôtels étaient fermés. C'était facile. On réquisitionnait les hôtels 4 étoiles, il n'y a pas de raison, on pouvait payer. Et on laissait les gens dans des hôtels 4 étoiles, tous les infectés étaient envoyés dans des hôtels 4 étoiles. C'était important qu'ils soient dans de très bonnes conditions pour qu'ils aient envie d'être mis en quarantaine, pour qu'ils acceptent. Et c'est beaucoup plus facile de mettre en quarantaine des gens qui savent que c'est utile. Donc, les gens qui toussent, en plus, on pouvait mieux les soigner. Encore a-t-il fallu accepter de les soigner. Ça, c'est autre chose. Et donc, le fait d'enfermer des gens malades avec des gens sains, c'est augmenter le risque d'infection. Alors, vous me direz, je suis fou hein, de dire ça, parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu. Mais il suffit de regarder les courbes comparatives, parce que la plupart des gouvernements ont suivi Niels Ferguson et cette agence de l'OMS qui était en fait patronnée par Bill Gates, qui veut vendre des vaccins. Bon. Mais il y a deux pays qui ont fait la forte tête en Europe. Ces pays, c'est les Pays-Bas et la Suède. Alors, les Pays-Bas sont intéressants parce qu'ils ils sont côte à côte avec la Belgique. Puis entre Belges et Néerlandais, franchement, ils vivent de la même manière. Ils ont les mêmes études, ils mangent à peu près la même chose. Il y a peut-être un peu moins de fric aux Pays-Bas, mais pour le reste, c'est pareil. Et puis les Flamands belges sont vraiment des Néerlandais quand on les voit d'assez près, hein. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait des différences de coutumes ou d'hospitalisation dans ces pays-là. La courbe des contaminations dues à l'OMS, je ne prends que les chiffres officiels de l'OMS. Hein, il n'est pas question de sortir des chiffres, on ne sait d'où. Vous regardez les chiffres officiels de l'OMS, des contaminations quotidiennes, aux Pays-Bas et en Belgique. Avant le confinement, c'était pratiquement pareil. À 5% près, c'était même. Il y a eu le confinement en Belgique, pas de confinement aux Pays-Bas. Pendant 8 à 10 jours, c'est resté pareil. Et à partir du 10e jour, le nombre d'infectés en Belgique a explosé. Il a doublé par rapport à celui des Pays-Bas. Et durant toute l'épidémie, ils sont restés très très hauts alors que les Pays-Bas étaient bas. Ce qui fait qu'actuellement, la Belgique est le pays qui a le record du monde de mortalité par million d'habitants. Et que les Pays-Bas, ils sont en dessous de la France. Les Pays-Bas qui n'ont pas confiné ont moins de morts que la France qui a confiné.
et beaucoup moins de morts que la Belgique. Ils ont moins de deux fois moins de morts. Ils ont 40% des morts de la Belgique par million d'habitants. Donc, vous avez la démonstration directe que le confinement a été nocif. Alors, c'est vrai donc pour les contaminations, c'est vrai aussi pour la mortalité. C'est la même chose. La mortalité arrive un peu plus tard. C'est pas 10 jours après. C'est plutôt 15 jours, 3 semaines. Il faut savoir que la COVID, on ne savait pas au départ. Mais le COVID a une durée d'incubation, c'est-à-dire une durée où, entre le moment où on attrape le virus et le moment où les signes apparaissent, qui est au minimum de 4 jours et qui peut aller jusqu'à 15 jours. On admet en moyenne que c'est de l'ordre de 7 à 8 jours. Le gros paquet des contaminations est arrivé au 7e jour, hein, la majorité. Donc, si le confinement avait été efficace, on aurait dû voir dans les pays qui ont confiné une diminution des contaminations dès le 6-7e jour. Or, lorsqu'on examine, j'ai fait l'examen 1-1 des 4 pays, des 4 grands pays, je ne parle pas des petits pays, l'Islande n'a pas confiné, elle a un taux de zéro, mais elle n'a pas d'avions qui viennent et il n'y a pas de circulation. Donc, on élimine les tout petits pays. Mais disons, les grands pays européens, on peut comparer l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, la Belgique et la Hollande, parce qu'ils étaient côte à côte et très proches, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple. Et quand on regarde les grands pays, on se rend compte que les courbes de contamination, qu'ils aient confiné ou pas confiné, sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que les pays qui ont confiné, le confinement n'a pas permis de diminuer. Ça a continué énormément d'exponentiel. Et ça s'est mis à baisser au bout de 3 semaines, 3 semaines et demie, qu'ils soient confinés ou pas confinés. La baisse des contaminations est arrivée en même temps en Allemagne qu'en France. Et qu'on ne dise pas que l'Allemagne a confiné, c'est un mensonge. Les médias français essaient toujours de parler de confinement en Allemagne. Ce n'est pas vrai. Les Allemands n'ont jamais été astreints à rester chez eux. On leur disait de ne pas se réunir, de ne pas faire la fête. Ça, c'est des mesures qui sont logiques, qui sont médicales. Mais on n'a pas obligé les Allemands à rester à domicile chez eux. Alors, sauf très récemment, dans 2 ou 3 villes, très ponctuellement. Et à mon avis, c'était totalement unité. Mais globalement, eh bien, ces Allemands qui n'ont pas confiné, ils ont 7 fois moins de morts que nous, par million d'habitants. Donc, le confinement a été une catastrophe sanitaire en termes de morts de Covid. Alors, la bureaucratie française n'a pas tout raté quand même, il faut être honnête. Je ne serais pas comme M. Perron qui dit « y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Il y a une erreur qu'ils n'ont pas commise, c'est vrai. C'est qu'ils ont séparé d'emblée les urgences Covid des autres. Et là, il faut dire bravo, parce qu'en Italie, les urgences sont chroniquement surchargées comme en France. Mais en Italie, ils n'ont pas séparé au début. Et on a un exemple, par exemple, d'un super contaminateur qui est allé, parce qu'il toussait, il est allé à Milan, dans l'hôpital, consulter, il a contaminé à lui seul 70 personnes pendant les 6 heures d'attente. Donc cette erreur, nous ne l'avons pas commise, et c'est certainement pour cela qu'on fait mieux que les Italiens. Mais toutes les autres, on les a faites. Alors, on nous raconte qu'on a confiné parce qu'on n'avait pas de masque. C'est de la foutaise et un mensonge absolu. On n'a pas de masque parce qu'on n'a pas voulu avoir de masque. Alors, dans une épidémie, si on raisonne comme un médecin, nous, on avait la chance de ne pas être les premiers à choper la maladie. Les Asiatiques l'ont eu avant nous. On aurait pu regarder ce qu'ils ont fait. Or, on a regardé ce qu'avaient fait les Chinois. Ils ont enfermé les gens. Oui, mais les Chinois, ils étaient malins. Ils ont enfermé en séparant les malades des autres. Or, nous, notre gouvernement a trouvé que c'était très commode d'enfermer tous les Français, mais il les a mis tous ensemble. Donc, il n'a pas fait comme les Chinois. Et les deuxièmes, c'était les Taïwanais. Les Taïwanais qui sont à 5 morts par million d'habitants, quand nous, on est à 450. Il faut quand même avoir une idée. On fait 100 fois plus mal qu'eux. C'est quand même colossal. Mais le ministre de la Santé, il a dit, c'est très bien, j'ai pas de masque, on le fabrique. Et il a réquisitionné l'armée, ils ont créé 69 chaînes de fabrication de masques, et ils ont pu fournir des masques à leur population, au moment où c'était utile, au moment où l'épidémie était en plein. Le masque actuellement ne sert plus à rien, il n'y a plus de virus. Enfin, plus uniquement, le virus n'est plus, il existe, et on le rend en permanence, mais il n'est plus dangereux comme avant. Et ce qui compte, c'est qu'il est malade, ce n'est pas qu'il se contamine. C'est un élément important que vous soulignez. En fait, lorsque le masque avait une utilité, le pouvoir politique n'en voulait pas. Et non, il a plus d'utilité. Il a interdit aux policiers d'en porter, même à cette époque. Et on a un sketch quand même qui mérite, qui j'espère va figurer dans le panthéon des sketchs politiques. C'est Sibeth Ndiaye disant que les masques, c'est trop intelligent pour les Français. Et que même elle, ministre, elle ne sait pas les mettre. Donc, bon, on est arrivé quand même à un summum du ridicule et du mensonge. Et maintenant, on voit la police
se répandre dans la rue, non plus pour traquer les criminels, les délinquants, non plus pour chasser les racailles de nos rues, mais pour verbaliser les Français qui portent mal le masque. On ne s'en prend même plus à ceux simplement qui n'ont pas le masque, mais on va jusqu'à envoyer les policiers contrôler la façon dont on porte le masque. On a vu ces images complètement folles d'un magasinier dans un carrefour qui a été arrêté par deux gendarmes parce qu'il portait le masque sous le nez. C'est une tyrannie sanitaire à laquelle nous assistons, qui est quand même totalement... C'est une tyrannie non sanitaire. Non, ce n'est pas une tyrannie sanitaire. C'est une tyrannie absolue qui va au contraire du sanitaire, qui utilise un prétexte sanitaire. C'est une tyrannie, point. Il ne faut pas dire tyrannie sanitaire. La sanitaire n'est qu'un prétexte et en plus, très mauvais prétexte, puisqu'ils font exactement le contraire de ce qu'il faudrait. Je vois dans la rue, je vois des gens qui se promènent en voiture avec un masque sur le nez, c'est quand même le haut ridicule, hein, ou qui font du vélo tout seul avec un masque. Ils sont fous, ces gens-là. Et en plus, c'est dangereux pour les vieux, hein, parce que pour les gens qui sont en pleine santé, c'est désagréable, pas immédiatement dangereux, mais pour les gens qui sont un peu fragiles, qui ont des problèmes respiratoires, ça facilite la prolifération des bactéries, parce qu'on ne change pas le masque tous les 10 minutes. Alors, je ne suis pas contre le masque, hein. Je suis chirurgien, donc toute ma vie, quand j'opérais, j'utilisais des masques. Mais le masque, il n'a jamais été fait pour les virus. Jamais. Les masques qu'on voit dans la rue, aucun n'est fait pour les virus. Il est fait contre les bactéries. Le masque chirurgical est destiné à éviter que le chirurgien crache dans la plaie qu'il crée quand il opère et qu'il infecte son malade. C'est tout. Les virus n'ont jamais causé la moindre infection post-opératoire. Donc, nous, on s'en moquait. Nous, on mettait des masques. Alors, les masques peuvent retenir les postillons, peuvent retenir les crachats. Donc, que quelqu'un qui est malade, qui tousse, qui crache, ait un masque, ça me paraît logique. Mais que la population saine soit muselée de cette manière est absolument intolérable. Et donc, justement, on a vu plusieurs médecins et chercheurs dire que le masque était une source de prolifération, notamment du staphylocoque, etc. C'est tout à fait authentique. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas du staphylocoque, de tous les germes que vous avez dans la bouche. Hein. La bouche est aussi sale qu'un vagin, du point de vue bactériologique. Hein. Vous avez, c'est des muqueuses humides et chaudes, des zones humides et chaudes. On a le même genre de flore bactérienne, multiple d'ailleurs. Et effectivement, lorsque vous enfermez et sur un masque, vous allez cracher, il vous arrête effectivement les bactéries, il est fait pour ça. Donc vous allez souffler, maintenir au chaud, vous allez créer une petite étuffe personnelle dans laquelle vos germes peuvent proliférer. C'est simple, ça. Et tout bactériologiste le sait. Alors ça ne sert à rien contre les virus, et ça aide les bactéries à proliférer. Pourquoi pas? Alors, pour les tests, c'est pareil. On nous a dit, on ne peut pas, on n'a pas de tests. Mais les Allemands, personne n'avait de test au début de l'épidémie. C'était une nouvelle maladie. Donc, personne au monde n'avait de test. Il ne faut pas nous emmerder. C'était un mensonge de dire qu'il y en a qui en avaient et d'autres pas. Les Allemands, on a dit, ils avaient tous les tests qu'ils veulent. Non, ce n'est pas vrai. Les Allemands n'avaient pas de test au début de l'épidémie. Simplement, Merkel a pris avis d'un de ses amis, qui est un épidémiologiste de Berlin, qui lui a dit, les tests, ça ne pose pas de problème pour les fabriquer, mais moi, je ne peux pas les fabriquer. Je n'ai pas les moyens. Il faut être beaucoup plus. Et il a dit, mais vous pouvez demander aux vétérinaires. Et des vétérinaires allemands qui, eux, ont l'habitude de faire des tests pour les animaux. Et bien, ils ont fait des tests pour les humains. Et l'Allemagne a eu tous les tests qu'elle voulait. Mais en France, on dit non, ça c'est un truc d'Allemand, c'est trop compliqué. Pour les Français, ils sont trop cons. On ne fait pas de tests. Bon. Donc, on aurait pu avoir des masques, il fallait le vouloir. On aurait pu avoir des tests, il fallait le vouloir. Et tout ça, le gouvernement dit non. Nous, on est des Français, on est au-dessus de ça. Et on, par contre, après, ils se sont affolés. Et on pouvait avoir l'hydroxychloroquine pour traiter les malades. D'autant plus, alors là, pour l'hydroxychloroquine, il faut reconnaître que Sanofi a été très bien. On fabriquait de la chloroquine en France et il y a une usine qui était en voie de fermeture. Et Sanofi a dit au gouvernement français, je vous donne la chloroquine que vous voulez, sauvez l'usine. Le gouvernement dit, non, pourquoi sauver une usine? Aucun intérêt. En même moment, tous les autres pays ont sauté sur la chloroquine qui est devenue pratiquement introuvable parce que tout le monde en voulait, mais pas nous, on a refusé. Alors là, pour la chloroquine, je ne suis pas un adepte de ce que dit M. Raoult. M. Raoult a eu le courage d'avoir une voix
authentique, forte, et en plus, c'est quand même un des meilleurs virologues du monde. On a l'air de l'oublier, mais c'est quelqu'un qui connaît son boulot. Moi, je ne connais rien dans le domaine par rapport à lui. Il faut être sérieux. Je connais la médecine, mais pas la virologie. La chloroquine, elle est connue depuis longtemps comme ayant une possibilité d'action antivirale. J'ai retrouvé personnellement des articles qui datent de 7 ans. Les tout premiers, ce n'étaient pas des Chinois, c'est des Néerlandais qui, dans une éprouvette, avaient montré que ça marchait sur le coronavirus, puisque ce n'est pas le premier, c'est le troisième coronavirus qu'on a quand même dans le monde. Donc, ils avaient démontré que ça marchait sur des éprouvettes, pas sur des malades, puisqu'il n'y a pas eu de malade en Europe de ces maladies-là, du SRAS ou du CMERS. Mais on savait que ça marchait du point de vue théorique. Les Chinois l'ont démontré avec un article indiscutable dans les éprouvettes que ça marchait. Donc, il y a une, tout à fait une certaine logique de l'utiliser. Alors, reste qu'effectivement, là, il y a eu un barrage absolu de, soyons clairs, de Big Pharma contre la chloroquine, puisque c'est un médicament qui est passé dans le public et donc qui rapporte peu. La logique du gouvernement a été, à mon avis, de redonner un prix raisonnable à la chloroquine. On aurait pu quand même doubler ou tripler le prix. Ça n'aurait quand même pas coûté très cher et s'arrêter de faire un geste envers les laboratoires, parce qu'il est vrai qu'il n'est pas normal qu'un médicament qui est connu depuis 70 ans garde le prix d'il y a 70 ans. C'est vrai que c'est un petit peu anormal et ça facilite la course. Au lieu de payer, là, la chloroquine, il y en a pour 3 euros. Au lieu de payer 3 euros, on va payer 5 000 euros pour avoir un produit qui ne marche pas. C'est quand même absolument fou quand on réfléchit. Donc, Sanofi a dit « je donne de la chloroquine ». On dit « ah non ». Alors, pour les tests, c'était la même chose. Les vétérinaires ont proposé de faire des tests en France. Mais les ARS, les agences régionales de santé, ont dit « non, 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 norme, il faut que ce soit contrôlé par Pasteur, il faut que ce soit… » Bon, ils ont refusé, il faut être clair. Moi, je trouve que, puisqu'il y a eu une métaphore militaire, notre président a dit « nous allons mener la guerre contre le Covid ». Moi, je pense qu'un général qui perd une bataille, on le vire. Je suis désolé, éventuellement le fusil. Les Turcs avaient, les Ottomans avaient quand même une technique très bonne. Lors du siège de Vienne par les Ottomans, le vizir avait donné un lacet de soie à son général. Et si le général ne vainquait pas les Autrichiens, il devait s'étrangler lui-même avec. Alors, je ne demande pas à nos autorités de s'étrangler. Mais quand même, qu'ils aient l'habitude. Non, mais tout, c'est l'histoire. Il n'a qu'à pas prendre une métaphore militaire. Et puis, entre nous, dans un militaire, on ne dit pas « j'ai pas de masque, on n'en met pas ». Il dit « j'ai pas de masque, j'en fabrique ». On n'envoie pas les soldats avec des fusils sans balles. On envoyait les médecins en première ligne sans masque. Et ce n'est pas par corporatisme que je dis ça. Ce n'est pas parce que je suis médecin et que je n'aurais pas voulu y aller sans masque au combat. Il faut au moins avoir une cuirasse quoi, quand on l'a à la main nue. Mais simplement parce que si le médecin est contaminé, c'est lui qui contamine tout le monde. Parce que c'est lui qui voit le plus de gens. Donc, et que, quand je dis médecin, c'est parce que je suis médecin. Mais cela est valable pour tous les soignants, pour tous les gens qui étaient au contact avec le public. Il fallait les protéger absolument. Donc, les médecins, les infirmières, les kinés, tous ceux qui voyaient du public pour des soins auraient dû être immédiatement protégés. Et on a eu le cinéma de « il n'y a pas de masque pour la population parce qu'il faut les garder pour les gens importants, que tels que les médecins ». Mais les médecins n'en ont pas eu. Dans les hôpitaux, ils en ont eu un peu, souvent se débrouillant, demandant à l'industrie d'à côté, qui était dans le bâtiment, qui avait des masques pour les poussières, de les récupérer. D'autres, moi, je connais personnellement au moins 3 médecins qui étaient en ville, qui n'ont pas eu de masque pendant un mois et demi. Un mois et demi. C'est colossal. Et je ne parle pas des infirmières qui, elles, n'était pas question de redonner à ce petit personnel sans intérêt. On les abolit le soir, on les laissait crever et attraper le virus tranquillement. Donc, c'est ça qui est absolument stupéfiant, c'est qu'on a vu des images écœurantes de blouses neuves que les infirmières déballaient qui tombaient en lambeaux. Enfin, on a eu l'impression de vivre pire que dans le tiers-monde. Exactement. Et là, moi, ce qui m'a beaucoup frappé récemment, je collationnais les chiffres, le rapport de mortalité des Covid, par Covid, d'après les chiffres de l'OMS. Et on regarde, là, je vous ai donné tout à l'heure, en disant que c'était la grande faillite de nos systèmes, puisque nous sommes dans le top 7 de la plus grande mortalité par million d'habitants. En France, c'est quand même
une sacrée contre-performance. Mais si on regarde la mortalité par millier de contaminés, hein, donc sur 1000 contaminés, combien sont morts? Eh bien, en France, on a le pompon, on est le premier mondial. Nous avons le plus haut taux de mortalité sur 1000 infectés du Covid. On est 50 fois au-dessus des taux de l'Algérie et du Maroc. On est 25 fois au-dessus des taux de la Russie. On ne dit pas ça à la télévision. On n'entend pas ce genre d'informations sur BFM TV. Je ne veux pas qu'on me croie. J'invite tout le monde à regarder. Vous tapez sur Internet, les chiffres de l'OMS sont publiés tous les jours. Ça s'appelle OMS Covid Situation Report. Et ils vous les donnent en français, si vous voulez. Ce n'est pas un problème, ils vous le proposent. Et vous avez, et là, vous avez tous les pays avec le nombre de contaminés depuis le départ, le nombre de contaminations de la veille, le nombre de morts depuis le départ, le nombre de morts des dernières 24 heures. Donc, il suffit de faire une division par pays. Nombre de contaminés depuis le départ, nombre de morts depuis le départ, et vous avez le taux de mortalité, le taux de létalité. Donc, il vous suffit simplement d'accepter de passer une demi-heure et tous les chiffres que je vous donne, vous pouvez les vérifier. Alors, oui, il y a des pays comme la Malaisie. La Malaisie a un taux qui est de l'ordre de 4, qui est ridicule. On est 100 fois inférieur au nôtre. La Malaisie, je veux dire. Le Maroc d'Algérie, quand même. Hein, j'oubliais les Émirats arabes unis, l'Arabie, la Jordanie. La Jordanie est quand même un pays qui est assez pauvre, il me semble, dont les hôpitaux ne sont pas au summum de leur puissance. Ils ont 10 fois moins de morts par millier d'infectés. Mais tous ces pays-là ont donné la chloroquine. Le roi du Maroc, quand il a su, il a pris les stocks de chloroquine qui étaient fabriqués dans son pays. Il les a préemptés. Sanofi a dit d'accord. Ils ne pouvaient pas faire autrement. En France, on a aussi entendu que plusieurs hommes et femmes politiques, lorsqu'ils avaient été infectés, eux avaient pris soin de se faire traiter à l'hydroxychloroquine. Oui, il est très clair qu'il y avait les sans-dents et les autres. Hein. Il n'y avait pas de test, mais on sait bien que tout le gouvernement a été testé. Hein. Il n'y avait pas, la chloroquine était mauvaise, mais tous les politiques informés en ont pris quand ils ont été malades. Et aussi les journalistes, parce que beaucoup de journalistes des médias sont très proches des politiques. C'est le même microcosme, comme disait un ancien. C'est parfois la même famille. C'est parfois ou la maîtresse ou la femme, effectivement. Ils ne peuvent pas les épouser toutes. Donc, effectivement, c'est un milieu très fermé, dirons-nous. Et où, effectivement, les contaminations sont faciles. Et donc, je ne leur reproche pas de s'être protégés. Je leur reproche seulement d'avoir menti. D'avoir menti en permanence. Et ça, c'est inacceptable. En démocratie, le mensonge politique est la pire des manières de gouverner. Et malheureusement, on a un florilège de mensonges absolument innombrables. Alors, je voudrais revenir maintenant avec vous, docteur, sur un point qui inquiète, je pense, beaucoup de Français et beaucoup de citoyens de par le monde. C'est la vaccination. C'est l'hypothèse même que la vaccination devienne obligatoire, que, comme Bill Gates l'a dit, comme Attali le dit à son tour, on ne retrouvera pas la vie normale sans passer par la vaccination. C'est l'idée depuis le départ. Le Covid n'était qu'une grippe banale. On n'a jamais eu l'idée de confiner les Français lorsqu'il y a eu la grippe de 58 ou de 69. Hein, les grandes grippes asiatiques qui ont fait deux fois plus de morts que le Covid. Hein. On n'a pas eu, grâce à ça, on a pu soigner les autres malades. Hein. Donc, on n'a pas eu les arrêts de traitement qui ont eu lieu en France. Et on n'a pas eu non plus la crise économique absolument colossale qui va tuer encore énormément de Français par famine, par désespoir, les troubles psychiatriques, etc. Donc, le confinement était vraiment une catastrophe. C'est pour cela que je me bats, parce qu'il ne faut pas oublier dans le bilan du confinement, il y a eu trop de morts de Covid, hein, ou de Rivotril, parce qu'on a les vieux dans les EHPAD, ils sont soi-disant morts de Covid. Sauf qu'il n'y a jamais eu de test pour le prouver, puisqu'ils n'avaient pas le droit au test, les vieux, pas question. Hein. Donc, et le décret qui a été signé par le ministre de la Santé et le Premier ministre, les deux,
disait qu'on pouvait donner du Rivotril sur simple suspicion de Covid. Et on devait le donner préventivement. C'est-à-dire qu'on indiquait aux médecins qu'ils avaient le droit de faire une ordonnance préventive. Et l'infirmière préparait une seringue avec le produit mortel qu'il mettait dans la chambre. On mettait quand même le nom du malade. On peut dire, docteur, que ça a été une forme d'euthanasie organisée. Je refuse le terme d'euthanasie. L'euthanasie, c'est pour mettre fin aux souffrances des gens. Là, je parle d'assassinat. C'est un crime prémédité, puisqu'on le faisait avant que le problème se pose. On a décidé d'indiquer, c'est la définition légale de l'assassinat. Et là, docteur, que pour soi-disant sauver la vie de ces personnes âgées, on les a assassinées. Pas exactement. On a refusé la chloroquine en disant « c'est beaucoup trop dangereux la chloroquine ». Injectez donc le Rivotril. Le Rivotril tue à tous les coups les gens qui ont des petits problèmes respiratoires. C'est fait pour ça. Alors vraiment… C'est un crime d'État. C'est un crime d'État, précisément. C'est un crime, c'est plus qu'un crime d'État. C'est quand même un crime contre l'humanité. Dans toutes les sociétés civilisées, les gens faibles, on les protège. Et là, on les a assassinés. Je dis bien, on les a assassinés. Et puis, il n'y a pas que. Non seulement les assassinés, mais une des premières choses qu'on voit dans les civilisations préhistoriques, c'est le rite funéraire. Hein ? Quand même, dès que l'homme est devenu homme, il s'est intéressé aux dépouilles de ses aïeux. Et il les a accompagnés. Et c'est très important de pouvoir accompagner ses anciens pour soi-même, pour eux, par en dommage, mais. Or, on s'est trouvé dans la situation d'un grand tragédie, de la tragédie grecque, où on interdisait à une certaine fille d'enterrer son frère, et elle a été emmurée vivante parce qu'elle a quand même enterré contre les ordres du roi Créon. Et on s'est trouvé dans cette situation. Les gens qui allaient accompagner leur famille au cimetière ont été interdits, mis en prison s'ils récidivaient. Où est passée notre humanité ? Ça dépasse complètement la médecine. C'est vraiment qu'on puisse arriver à des choses pareilles. Malheureusement, on a, dans le dernier siècle, vu ça qu'avec les nazis. L'élimination des gens fragiles, ça a été décidé par les nazis. Les fous devaient être éliminés. Ça a été fait. Et malheureusement, on a vu la même chose en France. Donc, effectivement. En fait, nous avons assisté à une résurgence d'un totalitarisme orwellien, en plus. On a l'impression de vivre en ce moment un mélange entre 1984 d'Orwell et Le meilleur des mondes d'Huxley. C'est comme si tout cela se télescopait sous prétexte sanitaire. Totalement, totalement. Et je dis bien, le sanitaire n'est qu'un prétexte, car. Nous aurions pu traiter par des médecins en séparant les malades des autres. D'emblée, on n'avait pas besoin de tests, je vais vous dire franchement. Parce que, effectivement, si on avait simplement séparé les gens qui toussaient des autres, on aurait complètement coupé l'épidémie. Alors, pour en revenir au vaccin, que diriez-vous justement à ceux qui nous regardent, que diriez-vous lorsqu'on leur proposera de se faire vacciner, puisqu'on sait bien que le gouvernement a l'intention de mener une grande campagne promotionnelle de ces vaccins, puisqu'il semble qu'il y en ait plusieurs. Que diriez-vous, quel conseil donneriez-vous aux Français? Je pense que C'est très simple et très clair. Lorsque nous avions les nazis, on a créé la résistance. Nous avions les nazis chez nous, et c'était des gens qui tuaient. Eh bien, je demande entrer en résistance par tous les moyens, par tous les moyens. Je ne suis pas contre les vaccinations. Attention, je suis un médecin, j'ai vacciné dans ma jeunesse. Je ne suis pas du tout contre le principe de la vaccination. Mais un vaccin, c'est comme n'importe quel médicament. Il faut étudier la balance avantage-risque. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce qu'il va nous éviter? Et quels sont les risques qu'il fait courir? Et là, je suis absolument opposé aux procédures actuelles qui sont d'homologation des vaccins à la va-vite. On les homologue alors qu'on ne sait pas s'ils sont toxiques et qu'on ne sait pas s'ils sont efficaces. Et il y a même des lois en Australie et même au Danemark qui sont passées, disant que dès qu'un vaccin serait de marché, on va les rendre obligatoires.
Et ça, c'est de la folie pure qui ne s'explique que par la corruption. Ce n'est pas possible autrement. On a une maladie qui est moins grave qu'une grippe asiatique, d'après l'OMS, d'après les chiffres officiels de l'OMS, qui a tué beaucoup de Français parce que nous avons pris de mauvaises décisions sanitaires, à l'inverse de ce qu'il fallait faire, en enfermant ensemble les malades et les pas malades, et en filant du Rivotril aux vieux pour qu'ils ne nous embêtent pas avec la sécurité sociale. Bon. Et donc, on a un traitement, qui est la chloroquine, qui marche puisque c'est démontré dans au moins actuellement 50 pays. Il n'y a pas besoin de faire des essais randomisés. D'ailleurs, tous les grands intellectuels, alors je précise, hein, je ne suis pas contre les essais randomisés, j'ai une maîtrise d'études statistiques sur les essais en médecine. Donc, je ne suis pas un anti-scientifique, anti-essai. Mais il y a deux moments. Les essais, ça ne, en général, ne permettent pas de mettre au point des traitements. Les essais sont des chambres d'enregistrement pour démontrer que les traitements sont efficaces ou pas. C'est uniquement ce qu'on fait. Mais ce n'est pas eux qui démontrent. Hein. Et la plupart des grands médicaments qu'on a, ce qu'on appelle les médicaments d'urgence, ont été mis sur le marché sans essai. Que ce soit l'aspirine. Hein. Il n'y a jamais eu d'essai sur l'aspirine. Si après, pour la cardiologie, pour voir, il n'y a pas eu d'essai qui était nécessaire pour mettre sur le marché l'aspirine. Pour les antibiotiques, la pénicilline, il n'y a pas eu d'essai. À la limite, vous comprenez, moi j'ai été sauvé par les antibiotiques quand j'avais 2 ans, j'ai fait une méningite, j'ai eu des antibiotiques. Un médecin qui donne un antibiotique, qui voit que le monsieur il guérit, il n'a pas besoin de faire un essai pour savoir que ça marche. Il faut arrêter ce cinéma absolument aberrant. Et là où chaque Français peut juger les mensonges du comité scientifique et tous ces gens qui ont poussé comme des fous sur des essais, c'est de voir, ils nous ont promis qu'on aurait les résultats dans 15 jours, 3 semaines. Souvenez-vous de ce qu'ils disaient en mars. Vous aurez les résultats d'avril. En avril, pas de résultat. En mai, pas de résultat. En juin, pas de résultat. Et puis après, heureusement, il y a eu l'étude complètement fausse du Lancer Gate, hein, complètement fabriquée par, bien entendu, le laboratoire qui voulait couper la chloroquine, qui a permis à l'OMS d'arrêter les essais avec la chloroquine. On a arrêté tous les essais avec la chloroquine. En France, on les a arrêtés sans donner les résultats. Or, quand on interrompt un résultat, un essai, normalement, on doit publier les résultats transitoires. C'était très intéressant. Je sais, par exemple, que l'essai ICOVIC, qui a été fait, parce que le grand essai patronné par l'INSERM était un essai qui n'avait qu'un seul intérêt, c'était de taper sur la chloroquine, puisqu'on la donnait à un moment où il ne pouvait plus servir à rien, beaucoup trop tard, et sans antibiotiques. Donc, c'était uniquement destiné à ça. Alors qu'on sait qu'il faut le donner dans les 2 ou 3 premiers jours. Hein. La chloroquine doit être administrée dans les 2 ou 3 premiers jours des signes cliniques. Donc, c'était une opération de discréditation Discréditation. Elle n'a toujours pas sorti ses résultats, hein, ce fameux essai formidable qui allait être européen, qui allait nous démontrer de manière irréfutable que dalle, rien. Vous savez que ça a coûté 2 000 € par malade inclus dans cet essai. Les deniers publics, alors là, on les donne pour rien. Cet essai n'a servi à rien, il faut le dire. Donc, tous ces grands scientifiques qui nous disent « vous allez voir ce que vous allez voir », on a vu ce qu'ils étaient capables de faire. De la merde. Excusez-moi. Et alors, dans l'essai ICOVIC, c'était un peu plus intelligent. C'était l'essai qui était fait donc, à Nantes et quelques hôpitaux autour. Eux, ils avaient une partie où ils donnaient un peu plus tôt la chloroquine. Ils le donnaient trop tard pour une partie des malades, mais aussi un peu plus tôt. Et là, l'essai a été interrompu. Il n'y a pas eu de résultat officiel. Il n'empêche que, ben, je sais que pour des malades qui avaient reçu la chloroquine plus tôt, il y a une différence en leur faveur. Ils vont mieux. Alors, ce n'est pas statistiquement significatif, on va me répondre. Oui, effectivement, comme ils n'ont pas eu de malade, parce qu'ils ont fait leur essai à un moment où la maladie était partie, ou à peu près, hein, ils ont fait dans la phase descendante de la maladie. Donc, ils n'avaient aucune chance de faire leur recrutement. En plus, les gens mal intentionnés dont je faisais partie expliquaient que ces essais pouvaient servir à rien, ce qui était vrai. Et donc, ils ont eu un mal de chien à recruter des malades. Alors, pour le grand essai d'INSERM, qui était en fait créé par M. Lévy, hein, le mari de l'ancienne ministre de la Santé qui a démissionné quand ça a commencé à sentir trop roussi. Et c'est celui aussi qui a inauguré le laboratoire P4 de Wuhan, dont très vraisemblablement le virus est sorti. Je ne sais pas comment, mais c'est quand même, la proximité des lieux est quand même tout à fait frappante. Eh bien, cet essai-là, aucun pays européen n'a accepté d'y participer. Ils ont tous dit oui, mais je crois qu'il y a juste le Luxembourg qui a mis 2 malades dedans. Et c'est parti en eau de boudin, comme ce qu'il méritait. Donc,
tous les essais des grands scientifiques français qui tapaient sur la chloroquine, aucun de ces essais n'a donné le moindre résultat. Alors, honnêtement, il était facile de vérifier les résultats de M. Rao. Lorsqu'en physique, on veut savoir si l'eau a une mémoire ou si un truc très bizarre, on nous annonce que le soleil va se lever à l'est. Ben, c'est facile, on reproduit l'expérience dans les mêmes conditions. Donc, pour vérifier ce que faisait M. Rao, c'était très simple, il fallait faire exactement ce qu'il faisait. Et il pouvait même, puisque ne croyait pas, Rao ne pouvait pas ne pas donner son traitement puisqu'il était persuadé qu'il marchait. Mais quelqu'un qui ne le croyait pas, Rao, pouvait parfaitement tirer au sort les malades. Je donne le traitement Rao tel que Rao le dit. Et l'autre partie, pas de traitement. Et je regarde ce qui marche. Et en 10 jours, on a eu des résultats. Pourquoi en 10 jours? Parce que la chose des plus intéressantes dans ce que disait M. Rao, c'est que la charge virale diminuait très rapidement et pratiquement devenait nulle à partir du 10e jour. Donc ça, on pouvait le vérifier. Donc on pouvait, mettons qu'on ait 15 jours pour inclure suffisamment de malades, hein, parce qu'il faut recruter les malades. On incluait suffisamment de malades en 15 jours, maximum un mois, et 10 jours plus tard, on avait le résultat. Et on pouvait savoir si c'était vrai ou pas. Donc on pouvait, mais on ne voulait pas. On n'a pas voulu. Je prétends qu'on n'a pas voulu. Dans toutes les expériences scientifiques, lorsqu'il y a un savant fou qui dit quelque chose et qu'on ne croit pas, on reproduit son expérience. Nous avions M. Rao qui a été traité de savant fou, qui prétendait des trucs. Il a dit comment il faisait, il a donné sa recette. Pour démolir sa recette, l'honnêteté aurait été de faire exactement ce qu'il faisait et voir ce que ça donnait, avec toutes les garanties. On peut considérer qu'en somme, si on n'a pas voulu, c'est parce qu'il fallait se plier devant Big Pharma et sa vente du vaccin. C'est l'intérêt financier derrière la vente du vaccin qui a justifié qu'on... Du médicament, oui, c'est le médicament ou le vaccin. Et d'ailleurs, si vous regardiez, j'invite les gens qui lisent l'anglais de lire le rapport 9 de l'Imperial College, le rapport qui a foutu la trouille aux politiques européens et qui les a poussés à confiner. Dans le rapport de l'Imperial College, il dit bien, il faut confiner tout le monde au moins 18 mois à 2 ans jusqu'à l'arrivée d'un vaccin ou d'un médicament. C'était très clair. Et actuellement, ce qu'on essaie de nous imposer encore. Alors, ils ont été obligés de déconfiner. Pourquoi ? Parce que là, l'économie a pris un tel coup qu'il va falloir 5 ans ou 10 ans pour s'en remettre. Je pense que si on continue avec les systèmes de différenciation qui tuent le commerce actuellement, parce que moi, je n'ai pas envie d'aller dans un magasin avec un masque. Ça ne me donne pas envie de je n'ai pas envie d'aller dans un restaurant si vous jouez au masque. Non, mais en plus, je sais que c'est de la foutaise. Maintenant, hein, j'étais pour les masques au début de l'épidémie, quand effectivement, il y avait des gens qui toussaient et qui crachaient. Maintenant, on n'en a plus de malades dans les rues. Alors, vous aurez à goût d'avoir des masques, sinon à vendre des masques qu'on a fait un peu tard. Bon. Donc, le fait de faire peur aux gens en permanence, ça ne permet pas à l'économie de repartir. Donc, on a perdu déjà 10 à 15%, on pense qu'on a perdu au moins 12% dès maintenant du produit national brut avec les conneries qu'a fait le gouvernement. Le fait de maintenir tous ces systèmes de distanciation des entreprises, c'est ridicule. Je veux dire. On annonce 60 000 faillites d'ici juin 2021, donc 600 000 pertes d'emplois. Absolument, oui, mais c'est colossal. J'invite les gens non plus, vous n'avez peut-être pas vu ce rapport, mais c'est l'UNESCO. L'UNESCO pleure actuellement et dit qu'il y aura 130 000 enfants qui vont mourir à cause, ils disent à cause du Covid, mais ce n'est pas du Covid. Les enfants de moins de 5 ans, les enfants de moins de 5 ans n'ont aucun risque de mourir du Covid. Il y en a eu moins de 10 dans le monde. Ce n'est pas zéro, comme en médecine, on n'est jamais zéro. Mais c'est un risque totalement infinitésimal. Par contre, il va y avoir 130 000 qui vont mourir d'après l'UNESCO. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'UNESCO. Simplement de famine. Parce que la crise mondiale a été terrible pour les pays peu développés. Beaucoup des pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud vivent grâce à l'argent que leur envoient les migrants ou d'autres. Or, la plupart de ces emplois sont des emplois précaires, souvent même pas déclarés, c'est souvent des emplois au noir. Ils n'ont pas été du tout indemnisés puisqu'ils n'existaient pas officiellement. Donc, ils ont 2 à 3 mois. Je reviens encore sur ce vaccin. Pourriez-vous dire à ceux qui nous écoutent pourquoi il faut se méfier de ce vaccin? En somme, ceux qui seraient tentés de se sortir de ce pétrin en écoutant
les, entre guillemets, bons conseils de nos médias et nos experts, pourquoi doivent-ils se méfier de ce vaccin? Vous avez quand même un exemple. C'était le Covid raté. Le Covid raté, c'était la grippe H1N1. On a essayé de nous faire un cinéma d'encre sur la grippe H1N1 qui allait tuer des milliers, des centaines de milliers de Français. Hein, on a acheté pour 2 milliards de médicaments et de vaccins, notre ministre précédente, hein, à cette époque. Et on a vacciné. On sait très bien que le vaccin n'a servi à rien, sauf à donner des complications neurologiques graves qui ont été reconnues par la justice et qui ont été indemnisées. Donc, le fait de se vacciner, eh oui, c'était passé en justice, on peut le dire, c'est indiscutable. Donc, là, c'est un exemple. C'est un élément qu'il faut vraiment oublier, ça. Là, il suffit de regarder, hein, vous tapez « complications neurologiques du vaccin contre la grippe H1N1 ». C'est publié par la Sécurité sociale, par la justice, partout, vous les trouverez. Hein. Ça a été un exemple. Parce qu'un vaccin comme un médicament, ça devrait être bien étudié. Et lorsqu'on fait en urgence un vaccin comme là pour la grippe H1N1, ils l'ont fait en urgence. D'ailleurs, si les vaccins n'étaient pas dangereux, les laboratoires pharmaceutiques n'auraient pas demandé d'être exemptés de responsabilité en cas de pépin. Or, il faut bien savoir que tous les laboratoires qui préparent les vaccins ont exigé de l'État qu'on les exempte de toute poursuite en cas d'accident vaccinal. Alors, on vous dit que le truc est sans danger, mais pourquoi est-ce que le labo veut ne pas risquer de payer si par hasard il y avait un pépin? C'est quand même curieux. Hein, et un vaccin normal pour mettre au point, il faut plusieurs années, il faut 3, 4, 5 ans. Tout simplement parce que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent si ça donne des anticorps, ils disent « Ouais, j'ai des anticorps, je vais tuer le virus ». On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien du tout. À tel point d'ailleurs que les gens qui ont des anticorps actuellement, parce qu'ils ont fait le corano dans le passé, on ne sait pas s'ils sont protégés. Je pense qu'ils le sont, mais pas forcément par les anticorps. Je pense qu'ils le sont tout simplement parce que la plupart des maladies virales que l'on fait naturellement vous protègent contre le virus en question. Bon, dans la grippe, à chaque fois, c'est un virus différent. Vous n'êtes pas protégé contre le virus de l'année prochaine. Puisqu'il est, c'est pas le même que celui que vous avez eu avant. Mais en tout cas, lorsque c'est un virus de la rougeole, les gens qui ont fait une rougeole, ils n'en font jamais d'autres dans leur vie. Ceux qui ont fait la variole, ils n'en font jamais d'autres dans leur vie. Ceux qui ont fait la polio, ils n'en font pas d'autres. C'est pas vrai. Donc, on ne peut pas. L'immunité qu'on acquiert naturellement est beaucoup plus efficace que l'immunité vaccinale. Alors, dans les vaccins, donc on a l'exemple de la grippe H1N1, un vaccin fait trop vite, qui donne des complications et qui a été sans aucun intérêt. D'ailleurs, les Français, heureusement, ont écouté les médecins qui ne voulaient pas se vacciner et ils sont peu allés. On n'a pas réussi à refourguer nos stocks de vaccins à d'autres pays parce qu'on était quand même les plus cons de l'Europe. Au niveau européen, les députés et des autres pays sont un peu moqués de la France, hein, à cause de ça. Alors, ça, c'était un premier exemple. Mais il y a un exemple beaucoup plus récent qui est très inquiétant. C'est le vaccin contre la dengue. Là, vous avez une ministre de la Santé qui dit les vaccins, c'est sans danger. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec la dengue? La dengue, c'est une grippe tropicale qui donne des signes de grippe. Et puis, de temps en temps, ça peut donner des complications hémorragiques. Il y a 4 virus différents pour la dengue. En général, la première épisode est bénin, c'est une grippe banale, mais le deuxième épisode, avec une autre souche, puisque ce n'est pas la même, hein, le deuxième épisode peut donner, par un phénomène d'anticorps, bon, c'est un peu compliqué, mais peut donner des accidents graves. Sanofi a trouvé le premier vaccin contre la dengue, on a fait une publicité monstre, a invité le ministre de la Santé dans un bon restaurant à Paris, et ils ont signé un contrat par lequel est consacré quand même les 3/4 du budget vaccin de son pays au vaccin contre la dengue. Et c'est devenu une affaire politique où on fait d'énormes campagnes de vaccination. Il y a eu 700 000 enfants qui ont été vaccinés contre la dengue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'année qui a suivi, il y a eu au moins 500 morts de dengue. Beaucoup plus que ce que donnait la dengue normale. Et ils n'ont pas écouté le donneur d'alerte, qui n'était pas n'importe qui, un vieux donneur d'alerte de 85 ans, qui avait participé à la campagne dans le Pacifique avec les troupes américaines et qui, justement, connaissait très bien la dengue. C'était l'expert mondial de la dengue, un peu comme Raoult. Eh bien, lui, il a dit, attention, on ne voyait pas qu'il ne faut pas vacciner comme ça sans savoir. Ça peut être dangereux si vous vaccinez quelqu'un qui n'a jamais rencontré une des 4 souches. Il avait prévu ça, il avait dit. Il avait même envoyé une vidéo à tous les députés. Mais les députés se sont dit, nous, on est des gens intelligents, nous, on est payés, et on ne s'en occupe pas. Alors là, c'est un pays qui n'est pas la France, c'est un pays d'Asie, c'est un pays au sud, un de ces pays que l'on a un peu tendance à mépriser.
Mais ils ont une justice. Et là, actuellement, le ministre de la Santé est devant ses juges. Et le médecin qui a écrit l'article disant que c'était sans danger est aussi devant ses juges. Et j'espère que ça servira de leçon à nos politiques. Mais effectivement, c'est un petit pays tropical. Ça ne peut pas arriver en France, on est des gens sérieux. On amnistie a priori les gens qui sont responsables de dégâts. Hélas, oui, donc, je dirais aux enfants, ne prenez un vaccin que s'il est sûr. Et pour savoir s'il est sûr, il faut attendre 2-3 ans. Alors, heureusement, il y a toute raison de penser que ce virus-là ne reviendra pas. Donc, on nous fait un cinéma à vous enfermer, vraisemblablement pour rien. Parce que si vous regardez les chiffres actuellement, l'épidémie est partie d'Europe. Elle est partie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je sais bien que tous les médias, tous les jours, là, vous avez le croque-mort. Avant, il énonçait les morts le soir. C'était le sketch du soir. On écoutait la litanie des morts. Ils ne nous donnaient pas les noms, hein, quand même. Ils n'ont pas été jusque-là. Mais c'était quasiment ça. Et bien là, actuellement, ils nous donnent les cas. Mais les cas, ce n'est pas des malades. On s'en fout des cas. Je veux dire, si vous amusiez à tester pour savoir si les gens ont eu la grippe dans la population française, vous auriez une proportion absolument colossale de cas positifs. Ce qui est intéressant, ce sont les malades. Alors, si on regarde les chiffres actuels de Santé publique France, je les ai encore consultés ce matin, regardez la courbe et vous verrez que c'est ridicule. On n'est à rien du tout. Je rappelle, quand on nous annonce 4 morts, c'est catastrophique. Ah oui, ça a doublé hier, il y en avait 2, on en a 4, les morts ont doublé. Mais on fait dire ce qu'on veut aux chiffres de cette façon-là. Oui, oui, mais parce qu'il faut voir la perspective. Alors, je rappelle pour vos auditeurs, qu'il y a 500 morts de cancer chaque jour en France. Et certains, il y en aura davantage parce qu'on ne les a pas soignés pendant 3 mois à cause du confinement. Et qu'il y a au total une moyenne de 1400 Français qui meurent chaque jour. Alors, pourquoi est-ce qu'on consacre toute notre énergie et tout notre argent et qu'on tue notre économie pour une maladie qui est ridicule en nombre actuellement ? Et il n'y a pas nulle part de... Il y a des épidémies actuellement en Amérique du Sud, aux États-Unis, ça continue. Mais ce n'est pas une deuxième vague. Simplement, ils n'avaient pas été touchés comme nous. Maintenant, ils le prennent en plein fouet. C'est tout. Alors, pour conclure, docteur, je voudrais que l'on pense à ces auditeurs, téléspectateurs qui seraient, on va dire, ces Français sous influence des grands médias qui se disent, mais quand même... on ne peut pas nous mentir à ce point-là, c'est l'OMS qui le dit et c'est l'OMS qui nous demande de nous vacciner. Est-ce qu'on peut revenir sur les financements de l'OMS ? Il faut quand même le souligner, le principal financement privé de l'OMS, c'est Bill Gates, et le second, c'est Big Pharma. C'est Bill Gates et Bill Gates, parce qu'il y a Bill Gates directement, oui. Et les associations Bill Gates. Non, non, ça, il fait total à peu près 30% du financement. Et finalement, ce sont les laboratoires. Et ce qui est très important, c'est que ces financements de l'OMS, de gens intéressés, sont des financements ciblés. Ils ne donnent pas l'argent à l'OMS pour qu'elle fasse ce qu'elle veut. Ils donnent l'argent pour une action précise. Et Bill Gates, c'est bien entendu pour vendre des vaccins en Afrique. C'est très, très clairement ciblé. Si je peux donner un conseil aux gens qui ont peur, parce que encore la moitié de la population qui écoute trop BFM ou d'autres télévisions d'État, ou d'État ou des amis du gouvernant, restent terrorisés. Bien, soyez simple, achetez donc un antibiotique et de la chloroquine. Je rappelle que la chloroquine est maintenant en vente libre en France, enfin en vente libre. Bien entendu, je n'ai pas dit de la prendre. Il faut que ce soit un médecin qui vous la prescrive, il faudra que ce soit un médecin qui vous explique comment la prendre, s'il faut la prendre. Mais achetez d'emblée votre chloroquine pour 3 personnes, si vous êtes un... c'est pas cher, ça vous coûtera 30 €. Et s'il y en a besoin la prochaine fois, vous serez protégé à condition de suivre les prescriptions de votre médecin. N'attendez pas qu'on vous l'interdise encore. Et là, la chloroquine, elle est sans danger. Je peux vous dire qu'elle est sans danger, sauf pour les cardiaques qui ont des troubles du rythme. Enfin, tous les médecins savent. J'en ai pris, moi, maintes et maintes fois quand je faisais des cours en Afrique. Et je la prenais sans aucune précaution. Je veux dire, je ne faisais pas un électrocardiogramme avant de prendre mon comprimé. C'est ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que tous les gens qui voyageaient en Afrique ont pris de la chloroquine. C'est le médicament qui a été le plus utilisé au monde et avec l'aspirine. Aspirine et chloroquine, c'est les deux médicaments qui ont été le plus utilisés au monde.
Alors quoi, l'aspirine aussi, ça donne des trous dans les estomacs, ça peut tuer. Oui, bien sûr, tout médicament est dangereux. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas pour l'automédication, je dis bien, parce qu'il ne faut pas prendre la chloroquine comme ça n'importe comment. C'est parce qu'il y a un cas dans le voisinage qu'il faut prendre la chloroquine. Hein. L'Inde, par exemple, l'Inde qui est un des grands pays et qui fabrique de la chloroquine et qui est 5 fois moins de morts que nous par million d'habitants, a édicté comme principe, au moment où il y a le fameux Lancergate et cet article complètement bidonné, complètement truqué du Lancet, ils ont maintenu la prescription de chloroquine pour les gens exposés. Les gens exposés, pour eux, c'était le corps soignant. Ils ont dit, le corps soignant doit prendre de la chloroquine à titre préventif. Et effectivement, leurs médecins ne sont pas tombés comme des mouches comme les nôtres. Alors, je ne sais pas si c'est lié, mais comme il n'y a pas d'effet sans cause, quand même. Et puis, ils font quand même ce pays qui est quand même dans une misère grave, l'Inde. On ne va pas me dire que c'est des gens qui ont des hôpitaux rutilants. Ils ont beaucoup moins de morts que nous. Ils ont beaucoup plus d'infectés. Il faut regarder les chiffres. Regardez les chiffres de l'OMS. Hein. OMS, Covid, situation report. Hein. Vous tapez ça, vous allez tomber dessus direct. Et ils ont 4 ou 5 fois plus d'infectés par million d'habitants que nous, mais ils ont 4 à 5 fois moins de morts. Et la différence, c'est la chloroquine. Donc, achetez de la chloroquine, stockez-la, ça se conserve très bien plusieurs années. Hein. Ce ne sera pas une dépense importante. Et au prochain coup, si vous avez des signes, je dis bien si vous avez des signes, allez voir votre médecin avec votre plaquette, il vous expliquera comment la prendre. Et comme ça, vous pourrez ne pas vous exposer à des complications inconnues d'un vaccin qu'on ne connaît toujours pas. Merci, docteur, pour nous avoir mis sous les yeux quelques vérités extrêmement importantes en ces temps de manipulation de l'opinion publique. Et merci aussi pour ces mises en garde à l'égard de la campagne de vaccination qui est imminente. Et à laquelle il faut résister. La liberté n'existe que quand on la défend. Ce que je reproche aux médecins, c'est de ne pas avoir parlé parce qu'ils étaient terrorisés par l'ARS qui pouvait les interdire de travailler. Et ce que je reproche aux Français, c'est de s'être laissé mener par le bout du nez par la peur d'un virus qui finalement n'aurait pas été aussi mortel si on n'avait pas été enfermé. Donc, battez-vous et vous n'aurez pas de vaccination obligatoire. Mais il faut se battre. Si vous ne faites rien, oui. Alors, faites des petits papiers, faites des tracts, puisque toutes les télés, tout ça, c'est bloqué. Qu'Internet, on nous bloque aussi. Dès que vous dites la vérité, vous êtes bloqué maintenant. Mais faites des tracts, faites comme au temps des Allemands, on imprimait des tracts sur sa relative, on les donnait dans la boîte du voisin. Hein. Militez et sauvez vos enfants. Battez-vous. Merci, docteur, pour ce message militant et encourageant. Et on reviendra très prochainement, certainement, auprès de vous et de votre épouse pour avoir des compléments d'informations sur l'actualité médicale. À très bientôt, docteur. À très bientôt.